Alors le canyoning, t'en avais déjà fait ? Je l'avais déjà fait une fois. Pas dans ce type de cadre, en tout cas en milieu naturel, ça m'avait plu. Là, je me régale. Je me régale. Les difficultés, certains on les dépasse, d'autres c'est plus compliqué, frustrant parfois, mais un régal. Mais je pense qu'on est premier de la compète. Hein. Je vous le souhaite. C'est génial. Tous les candidats à qui ont filé Jazuble, ils vont avoir telle couleur blanche ou telle couleur noire. Si par hasard, au moment où vous leur demandez, ils ont oublié, ils ne savent pas, vous avez un autre moyen de le repérer, c'est sur leur dossard, chiffre pair ou impair. Cédric. Non, c'est bon, c'est calé. Donc là, on va être sur la première manche. Le rallye se situe en deux manches, une finale. Mais ils n'ont pas les mêmes choses à faire. Tu vois bien que là, toi, tu as le siphon sac sur ton sac et que lui, il a un toboggan apnée objet. Ça n'a rien à voir. À comprendre, hein, c'est qu'il y a trois étapes. Par ordre, ça finira par une finale, ok? La finale, elle est fléchée gris. Ouais, c'est comme ça dans chaque équipe. Alors, sensation? Faut pas. Oui, faut pas réfléchir et puis. Faut crier! Donc du coup, résultat, ok, on y va. Enfin, on a trouvé, on a un chemin du coup. Pyrénées orientales, on a dit granit. C'est bon ? C'est le granit, il est au Utah ? Alors Alain Carrière, trésorier de notre fédération française, c'est pas un mince travail, on peut l'applaudir. Je vais leur donner le micro. Et Luc Chabrol, qui est le numéro 2 de la Fédé, c'est notre secrétaire national de la fédération. C'est du bonheur. En 1, on s'aime bien, en 2, on s'aime bien, et en 3, on s'adore. C'est ce qui nous fait avancer aussi, il faut le savoir. Après ceux qui ont gagné le challenge, on va les applaudir très fort avec 542 points. Les jeunes, ils sont où ?